Bonjour à tous, bienvenue sur motovac.com. Alors je suis avec Sébastien Gimbert, dont je ne citerai pas le palmarès, non comme le bras. Voilà, on est sur le circuit de Losail au Qatar pour la présentation de la CBR 1000 RRSP. Alors Sébastien, je crois savoir que tu as déjà roulé en superbike ici. Oui, j'ai déjà roulé en superbike ici, j'ai fait le championnat du monde superbike, mais aussi le championnat du monde d'endurance, donc c'est un circuit que je connais relativement bien. Et quel était tes chronos moyens en superbike? En superbike, c'était aux alentours de 2 minutes à peu près, 2 minutes rondes pour prendre une course. C'est un bon chrono, 2 minutes c'est un très bon chrono. D'accord, bon on a fait une session déjà, je vois qu'on est tous les deux un peu chaud, enfin surtout moi. Donc je vais installer la GoPro sur la CBR 1000 RR SP de série avec des Pirelli Super Corsa. Je vais mettre ça sur la moto de Seb et on va voir le chrono. Voilà, je vous dis à tout de suite. Le chrono est tombé. 2.08 avec une CBR 1000 RRSP réglée sortie de concessionnaire, c'est-à-dire réglée comme le dit le manuel du propriétaire. Donc aucune prépa et des pneus Pirelli Super Corsa SC. Donc ça fait 8 secondes sur un tracé de 5 km. Est-ce que tu aurais pu améliorer ce chrono si tu avais eu le temps de la régler ou... Oui, bien évidemment. Bah là, c'est une moto qui est sortie de circuit concessionnaire, donc aujourd'hui elle est adaptée pour nos TPL. Je suis sûr qu'en ajustant un petit peu, il y a 2-3 secondes qui traînent par-ci par-là. Mais ça reste une super machine. Là, honnêtement, on est très très proche des temps d'une machine de course qui, elle, coûte beaucoup plus cher. D'accord. Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié les tours embarqués. Voilà, en ce qui nous concerne. Bon, en France, il y aura à peu près 150 CBR 1000 RRSP disponibles. Les 100 premières seront équipées avec un Acra Pro Vic. Donc celle qui sera contente, elle va faire du foin. Elles n'auront pas l'ABS. Seule la version standard sera disponible avec ou sans ABS. Donc les SP seront sans ABS, pour Acra. Et on annonce 18 300 € avec l'Acra ou 18 000 € sans l'Acra Pro Vic. Voilà. Bah, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai. Et puis, bonne saison. Super, merci. Allez, ciao.